Stanley Cup celebrates its 100th anniversary, and no other team can better symbolize this famous trophy than the Montreal Canadiens. La Coupe Stanley fête ses 100 ans, et aucune autre équipe ne symbolise mieux que le Canadien de Montréal ce que signifie cet illustre trophée. Today, representing 18 of 23 Montreal Canadiens Stanley Cups, three of the all-time best. Mesdames et messieurs, il représente les trois grandes décennies du Canadien de Montréal. Accueillons Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Ces trois joueurs représentent 18 des 23 Coupes Stanley. Un record de la Ligue qui vaut des applaudissements. Let's applause these 23 Stanley Cup. These guys represent 18 of them. Merci, messieurs, de votre présence. Thank you very much, gentlemen. Much appreciated presence with us. Alors voilà, on a vu trois générations, comme l'a présenté Claude Mouton, qui ont partagé cette Coupe Stanley. Le pauvre Maurice Richard qui a fait une vilaine chute en entrant sur la patinoire. Mais pour une Coupe Stanley, 100 ans sans boss, c'était normal. C'était normal. Écoutez, quand même, messieurs, que la Coupe Stanley aurait justement une petite bosse sur la Coupe. Il faut penser à tous les bosses que Jean Béliveau, Maurice Richard et Guy Lafleur ont reçus au cours de leur carrière. Et j'ai tremblé aussi. Vous avez participé à ces Coupes Stanley. Jean Paget, maintenant, à vous la parole. Merci. Et vous savez ce que Maurice Richard vient de nous dire. C'est une autre affaire qui va faire jaser. Qu'est-ce qui est arrivé, M. Richard? Je pensais pas que la marche était si haute que ça. Fait que j'ai rendu ça de l'as, mais j'ai manqué mon pas. Mais vous avez une petite partie de cette coupe-là qui vous appartient, donc même si vous avez fait une petite bosse, c'est pas grave. Ça coûtera pas même un cher, je pense pas. Vous êtes pas fait mal? Non, il y a pas eu de mal là-dedans. Jean, comment ça va? Bon, ça va très bien. Faire un tour de glace avec l'uniforme, est-ce que ça rappelle beaucoup de souvenirs? D'excellents souvenirs. Ça prend des occasions comme celle-ci. Je pense qu'on ne l'avait pas revêtu depuis 1996. Je pense, Maurice, lors du 75e anniversaire. C'est une occasion unique. On ne peut pas refuser une invitation comme celle-là. Guy, c'est sûr qu'on ne peut pas refuser une invitation comme celle-là. Non, surtout de faire un tour de la patinoire à la Coupe Stanley avec les deux plus grands joueurs de l'histoire du Canadien et de la Ligue nationale. Je pense que c'est impressionnant. Et le troisième, c'est à toi. Oui. Trois générations de Coupe Stanley, ben, ça nous a fait plaisir de vous voir, oui? Qui ont été impressionnés avec la chute que j'ai faite en avant-garde. En tout cas, nous, on a été impressionnés. Ils ne nous ont pas prévenus de ça. Ben, merci, M. Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Trois générations de Coupe Stanley et trois générations de toute l'histoire du Canadien de Montréal. Il y a eu beaucoup d'activités cette semaine à Montréal pour ce 44e match des Étoiles. Camille Dubé va maintenant vous faire un tour de ville de Montréal, match des Étoiles.